Une fois que vous avez acheté vos crédits VPP sur le catalogue des produits informatiques, vous allez recevoir quelques jours plus tard un courriel avec les informations pour activer votre code de crédit VPP. Donc, vous allez avoir un code qui ressemble à peu près à celui-ci que vous allez devoir utiliser sur le site de Apple School Manager. Donc, c'est le site school.apple.com. Vous rentrez avec votre identifiant lié à votre compte iPad et vous allez aller dans Apps et livres. Une fois ici, on peut cliquer sur n'importe quelle application et on va aller simplement rentrer notre crédit VPP ici. Juste avant, il faut vraiment choisir notre école. Et là, on va aller cliquer sur « Utiliser le crédit du store ». On va rentrer le code qu'on vient de prendre dans notre courriel. Donc, on peut copier ici le code et aller le coller. Et on utilise le code. Et automatiquement, notre crédit va être ajusté au montant qu'on vient de recevoir. Si vous n'avez jamais encore activé des crédits VPP, il est possible que le lien ici ne soit pas présent. Dans ce cas-là, il faut aller dans Réglages, dans Apps et livres. Et vous allez retrouver ici le même lien qui permet d'ajouter du crédit VPP. On va cliquer simplement sur Ajouter. Collez le code reçu dans notre courriel et le tour est joué.